Voilà, c'est ça. Tu vois, un jour, tout ça, ça sera à toi. Qu'il imite Michel Jonas ou fasse découvrir le Fenouil à sa fille, Alain Bernard est une joyeuse nature. Grâce à ses claviers, il voyage d'un univers à l'autre. Ou moque l'utilisation mercantile qui est faite parfois de la musique. Le 27. Le 3. Numéro complémentaire. Le 8. Fistonnel, c'est 33% du marché du papier hygiénique. Fistonnel, c'est des rouleaux dans toute la zone. Son histoire de la musique n'a donc rien de pédant. C'est pas du tout un spectacle élitiste, au contraire, c'est grand public. Et même les enfants se marrent. Donc, même s'ils n'ont pas toutes les références, ils arrivent à se marrer aussi. Donc, c'est plutôt bon signe. Depuis son arrivée à Tahiti, il a laissé traîner ses oreilles. Est-ce qu'il a entendu ? L'a franchement séduit. On a l'impression que tout le monde joue de la musique et de façon tout à fait naturelle. J'ai vu des gens comme ça qui jouent du ukulélé pendant des heures, vraiment sans peiner. Et en plus, ça joue drôlement bien. Quoi. C'est très agréable. C'est, et puis tranquille, voilà, c'est comme la vie qui coule ici, tranquille. Mamadou, Mamadou, roi de la savane. Mamadou, Mamadou, tu n'es qu'un grand fou. Edith Piaf ne prendra pas cette chanson. La première question, culture générale. Comment appelle-t-on les femmes du pays Bigoudin ? 1h15 de fantaisie musicale. Rendez-vous pour 3 représentations dans 2 grands hôtels. Non, Karim. Les Bigoudaines, bien sûr, Magali qui marche le premier fois. Ça joue super.